Psy. Là, tu vois? Oh. Wow. He's excited. Il est excité. Répondre vraiment. Hi. Okay, ok, je sais que tu crois que j'en fais trop, mais c'est comme mettre une ceinture de sécurité en avion. On ne prend pas de risque. Okay. C'est parti. Je vais enlever mes gants. Il parle avec Jasper. C'est épique. En fait, il a juste développé une façon de communiquer avec Jasper. T'sais, on a tous un langage particulier avec nos animaux, mais eux, c'est très, très personnel. Ils utilisent toujours la même tonalité, les mêmes sons. D'où ça vient, où ça a commencé, cette passion-là pour les animaux? J'ai grandi sur une ferme au Minnesota avec mes parents et mes grands-parents. On accueillait des animaux orphelins d'Alaska et du nord du Canada. Alors j'ai grandi avec des grizzlies, des loups, des lynx et des carcajous. C'était mes préférés. Je jouais avec eux quand j'étais petit. Encore aujourd'hui, ce sont de vrais amis pour moi. Ils sont fidèles et ne te jugent pas. Mais ils n'aiment pas qu'on ne soit pas sincère. Ils le sentent. Ce n'est pas toujours le cas des humains. Il est beau! J'ai reçu des carcajous de trappeurs qui ont décidé de leur épargner la vie. C'étaient mes premiers animaux. Mais ceux-ci sont nés ici. C'est très rare que les carcajous se reproduisent en captivité. C'est vraiment surprenant que plusieurs naissances de carcajous soient survenues aux soins de Steve. La reproduction en captivité des carcajous est encore considérée rare, malgré les programmes de conservation existants. Oh, come this way. Viens ici, de ce côté-là. Oh, he's doing good. Tu fais bien ça. Viens sur ma droite. You don't understand. Je comprends pas. En une fraction de seconde, ils peuvent devenir agressifs. Ils sont vraiment en train de jouer. Arrête! Comme deux amis d'école. See, the more you plus on bouge la jambe, plus on réagit comme une proie. Ça réveille quelque chose en eux. Ça les rend frénétiques. Manipuler un animal sauvage comme un animal de compagnie, c'est pas quelque chose qu'on tend à encourager dans le milieu scientifique. Mais en observant Steve et Jasper jouer, j'ai l'impression que dans ce contexte particulier, ça comble certains besoins de Jasper. Ouch! Quand je réagis comme ça, de manière exagérée... C'est beau de les voir jouer! Il sait qu'il pourrait serrer la mâchoire plus fort. Il me ferait saigner. Je suis mort. Je fais le mort. Je reste calme et je fais le mort. C'est ce qu'on dit de faire avec les grizzlies. Mais c'est dur. Jasper est né en captivité. Il est imprégné à l'humain. À Steve, en tout cas. C'est ça.